Ils sont épuisés, mais soulagés. Soulagés d'être enfin arrivés en Autriche. Ces réfugiés sont les premiers à avoir traversé la frontière autrichienne. Ils viennent de Hongrie, plus précisément de la gare de Budapest, où ils y ont passé des jours, voire des semaines, dans des conditions d'accueil chaotiques. Pour l'heure, près de 3000 migrants ont franchi la frontière. La Hongrie s'est résolue à affréter des bus, une centaine en tout, pour transporter ces réfugiés vers l'Autriche. Certains partis à pied ont finalement pu rejoindre la frontière dans ces cars. D'autres, moins chanceux, ont effectué le trajet de 5 km à pied, sous la pluie, de nuit. L'Autriche et l'Allemagne ont accepté toutes les deux de recevoir les milliers de migrants. Vienne s'attend à en recevoir 10 000 en provenance de Hongrie. La majorité d'entre eux ne sont que de passage dans le pays. L'immense majorité cherche en fait à rejoindre l'Allemagne, pays qui ne renvoie plus les réfugiés syriens vers leur pays d'entrée en Europe.